Eh ben salut les potes, c'est Roi d'Épée. Aujourd'hui on se retrouve, comme dans ma précédente vidéo, sur F1 2009 pour une nouvelle partie de notre mode championnat avec l'écurie Renault et Fernando Alonso. Donc aujourd'hui, alors que Vettel a fait la pole, on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie. C'est l'un des circuits les plus tortueux et les plus lents du championnat du monde. Mais j'estime que j'ai une bonne chance de gagner ici. Comme c'est un des circuits les plus lents, ce n'est pas le plus gros moteur qui compte, c'est le talent et le châssis aussi. Les 5 feux vont s'éteindre. Et c'est parti pour la course. Il y a des gens qui zigzaguent. Oh putain, j'ai touché le mur. On va tous passer comme ça. Là. Oh là. Oui. Un départ plutôt pas mal. Allez, Hedfeld. Que rien, ils arrêtent de se taponner. Ouais, on n'accélère pas beaucoup sur ce circuit. À part dans la grande ligne droite, là, dans les stands. Enfin. La ligne droite des stands, oh là, il y a une bosse ici. À part dans la ligne droite des stands, on n'accélère pas beaucoup. Et donc, comme la piste est très étroite aussi, il y a peu d'opportunités de dépasser. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Et lui est coriace cette fête. Les commissaires de course n'apprécient pas ton comportement. La preuve. T'en sortis de drapeau noir et blanc pour toi. Allez, deuxième tour. Pas me laisser passer. Quand même, ouais. Mais en même temps, comme le circuit il est petit, il est court le circuit, il fait que 4 km, il y a beaucoup plus de tours. Il y en a 17 au programme. J'ai eu chaud. Mais putain, mais il fait chier lui. Pouvoir employer la manière forte. Mais voilà. Prochain, c'est subtil. On va forcer une guerre. Carré, je n'aime pas cette bosse. Elle peut créer beaucoup de sorties de route. Toute île est devant toi. Allez, à l'extérieur. Oh mais lui aussi il insiste. Allez, Bonnie. Putain, ça va chaud. Voilà. C'était juste, mais c'est pas ça. Mais on a gagné que 6 places en 2 tours. Hein. C'est pas beaucoup. D'autant plus que de nouveau je fais un arrêt de plus que mes principaux concurrents. Le prochain c'est Raikkonen. Merci de m'avoir entraîné dans l'herbe. Comme Hamilton au dernier tour au Nürburgring. C'est très gentil. Du coup, Bonnie, il m'est repassé devant. C'est chier. Oh. Du coup, c'est mon budget à ralentir pour pas prendre de pénalité. Voilà,
C'est très très difficile de doubler. Nico Rosberg a dû abandonner. Cool. Ça fait un adversaire de moins. D'autant plus qu'il occupait la troisième place au championnat en arrivant ici. Et il... Weber est le plus rapide en piste. Wemi est devant. Oh, mais c'est pas vrai. Du coup, là, bon, ça va, il m'a laissé la place. Allez, Raikkonen. Et Kovalainen. Non, il faut mieux, non. Felipe Massa a dû abandonner. Ça fait encore un adversaire de moi. Ah ben voilà, son moteur il fume. Il fume grave. Oh, Kovalainen a essayé de percer le pneu de... Mais... Voilà, Massa s'est pris pour une locomotive. Allez, bordé. Merci. Oh, ça fait deux moteurs cassés. Jusqu'où tiendra le mien ? Déjà au cinquième tour ? Je suis 8ème, c'est pas bon du tout ça. Mais ça va, je suis assez rapide d'habitude sur ce tracé. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe, la physique est là ? Son pneu arrière, il frotte. Crevaison. Ce qui explique pourquoi il n'arrive pas à rattraper le pilote de devant. Allez. Mais regardez, il se décale en freinant et du coup, il m'a fait rentrer dans la vie. Et donc, le physique est là, lui aussi il a un problème. J'espère que j'aurai pas de problème, moi. Le prochain, c'est Hamilton, que j'espère qu'il va pas me pousser dans les graviers. Parce qu'il s'est conduit comme un FDP au Nürburgring. Il m'a poussé deux fois en dehors du circuit, il n'a pas eu de pénalité. Voilà. Ah, il y en a dans les stands, c'est le moment de pousser. Ah bah, lui aussi est rentré. La plupart des concurrents ont l'air de faire deux arrêts. Faux, en quatrième. Le prochain, c'est Vettel. Purée, je suis sorti vachement trop bien. Allez, 2 secondes 7 de retard. Oh purée, je suis dans la merde dans ce virage. Neymar, je freine beaucoup trop tard. Mes pneus commencent à partir en lambeaux. Allez, allez, les mécanos, on s'active. Allez, 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 allez. Il y a Hedfeld et Buemi qui s'arrêtent aussi. Allez, vas-y, relâche. Et repart, ce mec. Putain, mais 13 secondes au stand, c'est de la pure merde. De la merde.
m'en fous. Oula, bourdé. Il a fait une grosse bourde là. Pour aller vite, va déjà falloir faire chauffer les pneus. De me rapprocher de Trulli là. Ouais. Un combien de secondes? Il tourne plus vite que Trulli. Une seconde. Ouais. Je suis parti un peu large. Je crois que mes pneus sont à bonne température. Allez, Trulli, viens par là. S'il te plaît, ne me sors pas. Ça va, je décroise. Tu combles l'écart avec Trulli. Purée, il va beaucoup trop lentement là. Il freine trop vite. Allez, ça va. Moi je veux me faire respecter, hein. C'est complètement emmerdé au freinage. En défendant sa position, il s'est sorti de la piste. Hedfeld a abandonné. Ça fait 3 moteurs cassés en 8 tours. Ah, plusieurs pilotes s'arrêtent au stand. Et Weber aussi. C'est un grand adversaire, lui. Et en le passant par l'extérieur. Mais je crois que lui, il faisait qu'un seul arrêt. Et moi, je m'arrête au 12e tour. Donc, faut pousser. Le prochain, c'est Hamilton, que j'espère qu'il ne va pas me sortir. Non, ça va, je me fais respecter moi aussi. Allez, on est 7e. Tu vas plus vite que Barrichello. J'ai l'air d'avoir fait un bon tour là. Oh là, c'était quoi? Encore une pause dans mon chaussée? Combien je fais autour? 1,18,5. J'accélère. Je crois qu'il y a les deux bras juste devant moi. C'est exact. Barrichello est devant toi. Il est allé à 2 km/h à la sortie de cette chicane. Allez, s'il freine pas trop. Tu vas plus vite que Barrichello. Je fais que ça.
si je les croise. Allez, impec. Ah bah. Ça me l'a fait comme en Espagne. Quand j'ai passé Buemi, il a automatiquement cassé son moteur. Là, il vient d'abandonner. Ça fait 4 moteurs cassés quand même dans cette course. Je crois que c'est le circuit qui a le... Je crois que ça a été le circuit qui a le plus porté malchance pour les moteurs. Moi, j'ai encore 2 tours à faire avant mon arrêt au stand. C'est au prochain tour. Buemi est 3ème. Si vous voyez en haut à gauche, il y a BULE marqué en... en troisième, et c'est Buemi. What the fuck? Faut que je prenne plus de 7 secondes d'avance sur Vettel. Parce que comme je sais, parce que comme d'habitude, mes mécaniciens vont prendre toujours le temps de faire pipi pendant mon arrêt au stand. Voilà pourquoi ça dure 15 secondes au lieu de 2. Mes pneus commencent à partir en lambeaux. 8 secondes d'avance. Entre au stand à la fin du tour. Je répète, arrêt au stand ce tour-ci. Neuf secondes d'avance pour le moment. Ah, c'est Raikkonen qui est maintenant en troisième. Piquet vient de rentrer au stand. Ok. J'espère juste qu'il ne va pas empiéter sur mon arrêt au stand. Là, c'était chaud ce virage. 10 secondes 5. Pour le moment, ce serait bien que je puisse retirer le stand en tête. Parce que moi, j'ai gagné qu'une seule course de toutes les saisons. Allez, je pense que je devrais pas ressortir trop loin derrière. Allez, 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 allez. Merci, on en est remonté. Allez, ça va, 11 secondes 7, c'est mieux que tout à l'heure. Il nous reste 5 tours à couvrir. Ça va, je ressors 4ème. Maintenant, faut faire chauffer les pneus. C'est ça, c'est ça. Allez, là je suis bien placé. Je comble l'écart avec Bohlainen. Lui, il va pas me laisser passer. Bon, là, il va aller. Non. Allez, passons un peu. Mon moteur tient toujours. C'est un miracle. Vu toutes les casse moteurs qu'on a vues depuis le début de la course.
Ouais, il a vachement bon coup. Il va m'offrir la politesse de le laisser passer. Allez. Non. Il est coriace. Le pire, c'est qu'il est lent, mais en plus pas facile à doubler. Oh, mais il est toujours là? What the fuck? Voilà, c'est bien ce que je disais. Lent et en plus difficile à doubler. Maintenant, il va falloir se cracher dans les gants pour doubler l'éther, qui est très loin devant. Attends, je vais d'abord voir quels sont ses temps autour. Bon, de toute façon, au pire, je suis 3 secondes plus vite. J'ai 8 secondes à rattraper. Cinq secondes. C'est jouable. Ça sera que ma deuxième victoire de l'année si j'arrive à le doubler. Cinq secondes deux. C'est bon, c'est bon. Secondes. On avait compris. Suspense, suspense. Mettez la musique épique. Hop là. Je suis toujours plus rapide dans le deuxième secteur. Trois secondes. Dernier tour, je répète, dernier tour. Il va falloir le doubler un moment ou un autre. Deux secondes. Merde. C'est bon, pas de pénalité. Putain, je pense qu'il va me manquer un tour. Bon, ça va être la deuxième place. On est passé très très près de la victoire. Ah. Purée. Ouais, ça fait 4 pilotes, 5 pilotes qui ont cassé leur moteur en course. Beaucoup, beaucoup.
J'échoue à une demi-seconde, mais je trouve que c'était une très très belle course. De ma part, d'autant plus que c'est la première fois depuis le Grand Prix de Monaco que je finis dans les trois premiers d'une course, à Fisichella la marque enfin un point pour Force India, le premier de la saison. Et mon équipier Piquet n'a de nouveau pas fini dans les points. Mais ça s'est joué un peu la victoire. Vous m'aidez dans les commentaires, t'as perdu peu. Ah. Bah voilà, c'était le Grand Prix de Hongrie de F1 2009. On a fini deuxième après un duel à distance avec Vettel. Mais je pensais vraiment que j'allais gagner. J'essayerai de me rattraper à la prochaine course. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Joyeuse Pâques. Allez, à plus.